C'est justement l'heure de notre focus du jour. Le compte à rebours sera bientôt écoulé. Dès demain, les fans de foot convergeront vers la France pour assister à cet Euro de football. Une première rencontre prévue demain, France-Roumanie. La fête, elle va débuter dès ce soir avec un concert gratuit de David Guetta. La fanzone du Champ de Mars accueillera peu avant ses premiers supporters. Mais à la veille de l'ouverture de la compétition, une question se pose. La sécurité sera-t-elle vraiment optimale? La question fait débat en période d'état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement de quelques 60 000 policiers secouristes et militaires. Reportage signé Karim Akiki et Jean Barrère. Ce matin-là, Jean-Luc Lemarchand ne tient pas en place. On en est où par rapport aux ACRED? Donc là, si vous voulez, juste ce que l'on regarde ce matin avec Armel, qui est en charge du projet Euro 2016, c'est le nombre de personnes qui ont retiré leur accréditation depuis jeudi. Pour nous, les accréditations, c'est le nerf de la guerre. À quelques jours du début de l'Euro 2016, le patron de cette société privée de sécurité prépare activement la compétition. Il doit déployer 900 agents de sécurité sur le terrain. Ok, ça roule. Les consignes de mercredi, enfin, ce sera leur dire les consignes particulières pour la fan zone. Ouais. Leur dire de gérer contrat. Les tenues, leur faire signer leur contrat et leur apprendre à gérer les planches pour la fan zone qui seront particulières. Bon. Merci, Mickaël. Coupe du monde de rugby, tournoi de Roland-Garros ou match de Ligue 1, la société est spécialisée dans les grands événements sportifs. On peut voir que sur la fan zone, on a bien avancé, que pour les concerts du 9, on va être au complet. Jean-Luc Lemarchand, ancien officier de réserve, est en première ligne pour sécuriser la fan zone de Paris sous la Tour Eiffel. La société est spécialisée dans la palpation de foule. Tous ses agents sont agréés et spécialement formés pour l'Euro. On leur réapprend leur devoir en tant qu'agent de sécurité, et pas leur droit, mais leur devoir. D'un autre côté, on leur réapprend quels sont les objets prohibés et interdits, il y a une vraie différence. Les bons gestes, aussi bien le geste de palpation pour trouver d'une part, mais aussi pour se préserver. 3000 agents de sécurité sont déployés dans la fan zone à Paris. Au pied de la Tour Eiffel, c'est une véritable forteresse qui prend forme, avec un écran géant, des restaurants et même une scène de concert. La fan zone de Paris réservée aux supporters est la plus grande de France. La capacité maximale, 92 000 en version retransmission, 83 000 pour le concert de David Guetta. Cette foule inquiète tous les spécialistes de la sécurité et surtout les riverains du Champ de Mars. Ouvrir un espace comme ça pour 90 000 personnes, c'est un appel d'air absolument phénoménal et terriblement inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez contrôler là? Même s'il y a des policiers partout pour faire la fouille, pour rentrer dans la zone, on ne sait absolument pas si des gens ne vont pas venir, parce que c'est symbolique Paris. Certains s'interrogent face à la menace terroriste. Ne faudrait-il pas fermer cette zone les soirs de match? Aujourd'hui, elle peut être annulée parce que les enjeux sont tels que, et les risques sont évidemment majeurs, et que face à un risque majeur, eh bien, on prend des responsabilités voulues. Pas question, répond l'État qui reste droit dans ses crampons. Les fan zones sont maintenues, même si la menace est réelle et précise. On ne peut jamais dire qu'il n'y a pas de risque du tout et qu'il y a un risque zéro. C'est une période difficile, avec des frappes qui peuvent concerner notre pays partout, et pas seulement dans les fan zones ou dans les stades, je le redis. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes autant préparés que nous devons l'être face à ce défi. Très sollicité ces derniers temps avec les mouvements sociaux et l'état d'urgence, les forces de l'ordre sont au bord de la crise de nerfs, épuisées. SGP Police, l'un des principaux syndicats de policiers, estime, lui, que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour ouvrir la fan zone à Paris. Soit on le fait en l'état, en sachant qu'il n'y a pas forcément les moyens requis, soit la police nationale va aller suppléer la sécurité privée à l'intérieur des fan zones, et pour le coup, très sincèrement, je ne sais pas comment on va faire. Et puis, évidemment, il y a le scénario cauchemardesque, c'est-à-dire conflits sociaux, début de l'euro, attaque terroriste, et là vraiment je ne sais pas comment on saura faire. Les incidents survenus lors de la finale de la Coupe de France le 21 mai dernier contribuent à l'inquiétude générale. Les tribunes du Stade de France ont été incendiées à la fin du match. Le ministre de l'Intérieur avait immédiatement reconnu des dysfonctionnements. Merci beaucoup. Olivier était aux premières loges ce jour-là. Pour ce restaurateur, c'est un échec total. Ça a été un test grandeur nature avec le dispositif de l'UEFA. Et où, d'un point de vue sécuritaire, ça a été une catastrophe.
Alors, avec les autres commerçants du Stade de France, Olivier a décidé de porter plainte contre l'organisateur de l'Euro. C'est de la folie. Voilà. Alors maintenant, on peut imaginer que nos gouvernants et ceux qui sont censés savoir savent. Et j'espère simplement qu'ils savent ce qu'ils font. Nous sommes extrêmement inquiets. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que le Stade de France bénéficie d'une sécurité maximale. Outre les moyens humains, l'État a mis la main à la poche, 2 millions d'euros, pour mettre en place un important dispositif de vidéosurveillance. Allez, on revient sur ces fanzones et puis évidemment sur ce contexte plutôt festif avec notre invité du jour, Dominique Courdier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directeur d'information chez News Tank Football. Avant de revenir sur cette polémique qui évidemment s'accélère au vu que le temps se rapproche de ce premier rendez-vous, ces fanzones, elles consistent en quoi? Juste comment ça va fonctionner, très concrètement? Bien, vraiment, alors qu'est-ce que les fanzones hein? Ce sont des endroits donc, qui sont sécurisés où les... qui permettent aux supporters de vivre les matchs devant des écrans géants et d'être ensemble dans des endroits qui sont libres d'accès, qui sont gratuits. Et ces fan zones, elles sont nées il y a une dizaine d'années, elles sont nées en Allemagne au moment de la Coupe du Monde 2006, où on s'est aperçu que c'était à la fois festif, ça permettait aussi, parce qu'il y a du business derrière, aux partenaires de s'afficher en dehors des stades. Et aujourd'hui, ça semble impossible d'organiser une grande compétition sans qu'il y ait ces lieux de rassemblement. Surtout, comme l'ont dit les organisateurs, le gouvernement et les villes qui reçoivent l'euro, que si on n'a pas ces endroits sécurisés, on aura des fan zones sauvages aux quatre coins de la ville qui seront beaucoup plus difficiles à surveiller, évidemment. Jusque-là, le bilan de ces fan zones, elles ont fait leur preuve, ils ont fait leur preuve, ces sites. Ça a été formidable, notamment, par exemple, il y a 4 ans, lors du dernier Euro, il y a eu jusqu'à 100 000 personnes à Varsovie qui étaient rassemblées pour suivre les matchs. Donc vraiment, c'est un phénomène à la fois festif qui permet de déplacer l'événement hors du stade. Le stade, ne vont au stade que ceux qui ont la chance d'avoir des billets ou qui ont les moyens de se les payer. Là, on a un endroit festif au cœur des villes. L'UEFA s'est battue pour que ces fan zones soient au cœur des villes parce que les villes, au départ, pensaient les organiser un peu à la périphérie, dans des endroits hors la ville, hors les murs. Et l'UEFA a beaucoup insisté, a dit, si vous voulez que ces fan zones soient remplies, qu'il y ait une vraie belle ambiance, il faut vraiment que ce soit au cœur des villes. Alors, on est d'accord sur ce bilan, mais il y a aussi le contexte qui entre en jeu. Évidemment, les attentats du 13 novembre, les attentats de Bruxelles, tout le monde a ça en tête. Les politiques, évidemment, en jouent. L'opposition, essentiellement, qui dit « Oula, rassembler les supporters à un même endroit, c'est beaucoup plus dangereux ». C'est vrai, ça ? Bien. Les rassembler, disons que ce que disent les autres, c'est les rassembler, mais dans un endroit qui est sécurisé. Personnellement, par exemple, hier, j'ai assisté à la conférence de presse de lancement de l'euro au Stade de France. Donc, je suis allé au Stade de France et j'ai vraiment découvert donc, les normes de sécurité. C'est vraiment les mêmes que pour entrer dans un aéroport. C'est-à-dire qu'il a fallu poser l'ordinateur dans une... Et on sait qu'il y a des failles dans les aéroports aussi. Oui, alors il y a des failles, c'est vrai. Je suis quand même passé sous un portique. C'est la première fois que j'entrais dans un stade après un passage sous un portique, après avoir déposé tous les objets métalliques dans un détecteur de métaux, etc. Donc, vraiment, des normes identiques à celles d'un aéroport. Et ils ont dit que les normes des fan zones seront identiques à celles des stades. Est-ce que ça prévient de tout? Évidemment que non. Je lisais dans le Monde d'hier un article sur les drones, puisque aujourd'hui, il y a la menace par drone. Alors, est-ce qu'on a tous les moyens pour dévier un drone? J'en suis pas persuadé. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Oui, il y a aussi un risque en dehors des fan zones. On peut parler aussi des risques dans toutes les villes ou même hors des villes hautes, évidemment. Il y a certains gouvernements, certains pays qui ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre dans ces fan zones. Oui, il y en a. Alors, tout dépend où on met le principe de précaution. Vous savez, les attentats sont arrivés en novembre en France. Il y a eu des attentats en mars à Bruxelles. Et voilà, donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bon, en tout cas, les Français, a priori, selon une dernière étude, sont plutôt pour. Hein, 64% des Français qui sont opposés à la suppression de ces fan zones. On peut comprendre pourquoi. On a envie de faire la fête aussi en ces temps moroses. Vous pensez que le succès il sera au rendez-vous Champ de Mars, on dit 90 000 supporters de capacité. Alors 90 000, ils ont même réduit après les mesures de sécurité supplémentaires. Au départ, la fan zone, ils annonçaient 120 000 personnes. Ils prévoyaient d'accueillir 120 000.
120 000 personnes. Là, ils ont ramené ça à 90 000. J'espère que tout se passera bien. Le préfet de police, lui, de Paris, aurait préféré que la fan zone soit fermée lorsqu'il y a un match au Parc des Princes ou au Stade de France. On sait, par exemple, dimanche après-midi, il y a Turquie-Croatie au Parc des Princes. Les Turcs et les Croates seront séparés dans les tribunes du Parc des Princes, mais ils peuvent se retrouver dans la fan zone pour suivre Allemagne-Ukraine qui a lieu à 21h. Et là, si le match s'est mal passé ou si les uns charrient les autres, il peut y avoir des incidences. Bon, en tout cas, on suivra la compétition. Premier match d'ouverture, c'est demain, on n'a pas le temps d'en parler. France-Roumanie, allez les Bleus quand même. Merci beaucoup Dominique Courdier d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Focus.